Bonjour à tous, nous sommes avec Vincent. Il est actuellement au Bénin. Bonjour Vincent. Salut Philippe, heureux de te voir. Alors, tu es un vieil Africain apparemment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes en Afrique? Bon, mais d'abord, première chose, c'est l'éducation qui est déterminante et le côté de cette éducation, ça a été le scoutisme. Je rêvais de l'aventure et le plus logique pour un Belge en tout cas, c'était plutôt d'aller vers l'Afrique, d'autant que je ne maîtrisais ni le portugais ni l'espagnol, donc l'Amérique latine pour moi, c'était pas évident. Et puis en Afrique, au moins, je connaissais des personnes qui pouvaient m'accueillir, même si je ne les connaissais pas directement. Qu'un vieux monsieur m'a proposé, voilà, un bon ami qui était étudiant, que j'ai hébergé quand il était étudiant à Bruxelles et qui j'ai téléphoné, qui serait d'accord de t'accueillir si tu veux faire un essai, partir au Burundi pour 3 4 mois, t'as qu'à prendre un visa touriste et tu iras voir, quoi. Alors, ce qui était drôle, c'est que tout ce que j'avais de ce monsieur, c'était son nom et son prénom et une photo. Et je me vois débarquer à l'aéroport de Bujumbura avec une photo en main, format passeport, la petite photo, quoi. Puis je dis, mais tous ces gars se me ressemblent, c'est pas possible. Et puis, heureusement, un brave monsieur qui m'a tapé sur l'épaule, tu es Vincent, je suis Michel, je suis content de t'accueillir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, si tu veux que je continue mon aventure, j'ai fait, puisqu'en fait j'étais parti sans contrat. Les doigts, Attends, j'avais mis le. Oui, si je mets le pouce devant ma gueule, bon, je suis d'accord que ma tête ne veut pas grand-chose, mais mettre le pouce devant, c'est pas mal. J'ai commencé à visiter les différents projets, me disant, il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé d'engager un gars comme moi. Il faut savoir que j'avais quand même un diplôme d'agronomie tropicale. Et puis, j'ai rencontré un chef de projet du BIT, c'est-à-dire Bureau International du Travail, donc Système des Nations Unies, qui m'a dit, mais mon gars, vous êtes complètement fou, mais je suis encore plus fou que vous et je vais vous donner votre chance. Je vais vous donner une voiture, un chauffeur. Et j'ai besoin d'avoir des informations sur le mouvement coopératif dans telle province, c'était la province de Gitega. Revenez me voir dans une semaine, vous me direz ce que vous en pensez, on ferait un petit rapport. Moi, j'étais tout fier d'avoir un chauffeur, une belle bagnole avec un écusson dessus. Et j'ai été voir différentes coopératives et tout. Et le week-end, sur une antique machine à écrire, j'ai commencé à écrire un petit rapport. Et lundi matin, j'ai été voir le gars, il m'a dit, mais c'est pas con ce que vous faites, est-ce que vous êtes prêt à repartir cet après-midi pour la province de Ngozi et faire la même chose? Et puis ça a commencé comme ça, et puis il m'a dit, mais dans la province de Muyinga, là, vraiment, on a trop, trop de problèmes actuellement. Est-ce que tu serais d'accord d'y être affecté et de suivre un peu les opérations sur place? OK, mais pour le moment, vous m'avez donné des per diem, c'est-à-dire des forfaits journaliers. Il faudrait quand même que j'ai un emploi un peu plus stable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un salaire, quoi? Bon, un peu grâce à lui, un peu grâce aux relations de ma propre famille, on a trouvé une ONG belge qui avait un petit budget qui leur permettait de me payer pendant environ 6 mois. Et sur le 6 mois, le monsieur un peu fou du BIT a trouvé le moyen de me faire engager officiellement comme volontaire des Nations Unies. Aux Nations Unies, ah oui. Voilà un petit peu comment j'ai commencé. Et donc, nous étions à l'époque en 1983, fin 83. Et donc, je suis devenu volontaire des Nations Unies en 84. Alors, peut-être que cette anecdote que je vais te raconter là maintenant, va peut-être servir dans les débats plus tard, je n'en sais rien.
Donc, j'ai terminé mon boulot de volontaire des Nations Unies. C'est un projet qui s'arrêtait, donc il n'y a plus moyen de continuer. Le Alors, nous étions financement où était là? arrêté. Nous étions dans quel pays? Donc là, j'étais au Au Burundi, Burundi. dans la région de Muyinga. D'accord. Et je commençais à être un petit peu réputé. Figure-toi que j'avais même fabriquer des billets de banque parallèles pour pouvoir acheter le café des paysans, etc. Il y avait plein d'idées, plein d'initiatives. Et le petit charpentier, ben, on disait que c'était pas tout à fait. Il avait l'idée, en tout cas, quoi. Et je savais déjà que j'allais être engagé encore comme volontaire des Nations Unies pour le Togo, mais il y avait un temps d'attente. Et donc, pendant ce temps d'attente, le bureau local, je dis bien le bureau local de la Banque mondiale, qui est aussi un système des Nations unies, m'avait proposé une consultation sur les premiers essais d'usine de café cerise. Pour ceux qui ne savent pas, le café, c'est comme des cerises, c'est rouge comme des cerises d'ailleurs. Normalement, on demande aux paysans d'enlever la partie charnue et de donner le café sec, c'est ce qu'on appelle le café parche. Et là, le Burundi faisait des essais pour travailler du café cerise. Il y avait des unités pour transformer ça. Et donc, la Banque mondiale voulait que j'aille faire une petite étude et que je fasse des commentaires et que je fasse, comme d'habitude, un rapport, comme ça se fait normalement, quoi. Bon, entre parenthèses, entre-temps, j'avais épousé Espérance que j'avais rencontrée, qui était infirmière dans l'hôpital d'État là-bas à Moyinga, et nous venions d'avoir un bébé qui était né en avril de la même année. Donc on avait un tout petit bébé, et moi je commence de nouveau à parcourir le pays qui est pas grand, hein. Le Burundi c'est grand comme un confetti, hein. En tout cas sur la carte c'est pas grand-chose. Et puis apparemment dans un hôtel, je m'en souviens après coup. J'ai laissé dans la poubelle le brouillon de mes notes. Je recopiais le soir mes notes au propre et le brouillon, j'avais laissé ça dans la poubelle. Et donc, après le week-end, je me retrouve, j'avais été évidemment revoir mon bébé et ma femme là où on habitait, quoi. Moi, j'étais devenu un peu nomade à l'époque. Et je vois débarquer, parce que ça existait dans toutes les provinces à l'époque, le responsable de la Sûreté nationale. Oui. Donc, un peu l'homme responsable de la bien-pensance, quoi. Et qui écoutait notamment tous les sermons des curés à la messe, qui buvait son verre dans les bars, mais avait toujours son oreille qui traînait à droite et à gauche, etc. Bon, c'était le système de l'époque. C'est une autre époque, heureusement révolue, mais en tout cas, c'était le système de l'époque. Et donc, cet officier de sûreté nationale me dit, Monsieur Charpentier, donnez-moi votre passeport. Je lui ai dit, bon, Pourquoi pourquoi? donc? Pourquoi donc? Ah, ben parce que nous avons décidé que vous ne pouviez pas rester au Burundi. Ah bon, pourquoi donc? Ah, nous n'avons pas d'explication à vous donner, mais je dis, si j'ai plus mon passeport, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible, quoi. Elle dit, non, non, il n'y a pas de problème, voilà le formulaire. Vous avez ici un avis qui s'appelait autorisation de quitter le territoire national en 72 heures. Je peux te dire que D'expulsion, quoi. Ça y C'est plus radical qu'un OQTF, ça, je peux te dire. est. Autorisation, c'est même pas obligation. Hein. Alors. Autorisation de quitter le territoire national à 62 heures. Pour un avis Ça veut dire que d'expulsion, c'est pas ça. mal. Oui. Donc, ça fait quand même un peu bizarre, mais c'était normal à l'époque. Hein. À chaque vol de la Sabena, puisque c'était encore la Sabena à Oui. l'époque, such a bad experience, never again, si tu te souviens de ce qu'on disait de la Oui, Sabena avant. Et donc, à tous les vols, il y en avait une bonne dizaine ou une bonne vingtaine de personnes qui avaient reçu ce genre d'avis parce que le pays n'en voulait plus à l'époque et c'était énormément, essentiellement des prêtres. Qui n'avaient pas suffisamment surveillé leurs propos dans leur sermon le dimanche.
Bon, donc je me retrouve avec ce fameux formulaire entre les mains. Panique, on va voir les copains. Est-ce que tu pourras t'occuper de vendre mes trucs? Si tu pouvais essayer de vendre ça autant quand je serais parti, autant. Et puis on se prépare pour le lendemain. Mais alors, Ben, ça verra. expulsion parce que tu étais de l'ONU ou expulsion parce que... Alors, je vais aller un peu plus loin, je pense que tu vas comprendre. C'était expulsion, comme je t'avais dit. Probablement que j'avais laissé des notes traîner dans la Oui, et poubelle alors? dans un hôtel, qu'elles ont été lues et ils trouvaient que mes premières appréciations n'allaient pas dans le sens Dans le sens souhaité. dans le sens souhaité, exactement. Donc, voilà. Bon. Et de toute façon, si c'est moi qui avais eu ce boulot-là, c'est parce qu'un expert burundais n'aurait certainement pas pu faire ce genre d'études de consultation, parce que lui, il risquait de se retrouver dans une situation En beaucoup plus taule. inconfortable. À la limite, moi, tout ce que, il risquait de m'arriver, ce qui m'arrivait d'ailleurs, c'était de rentrer au pays un peu plus vite que prévu. Alors, vous êtes parti? Eh ben non, on n'est pas parti parce que on m'a donné, je crois, cet avis le 1er ou le 2 septembre. Et le 3 septembre 1987, si tu vas regarder dans les coupures de journaux de l'époque, il y a eu un coup d'État. Le général Jean-Baptiste Bagazard se trouvait à la conférence de la francophonie à Québec. Et tout simplement, au moment où son avion a voulu atterrir, la tour de contrôle lui a informé que l'armée avait mis des C'est plus la camions peine. tout le long de la piste, quoi. C'est plus la peine Donc, le d'être colonel Bagada n'a pas pu atterrir ce soir-là et tous les vols ont été suspendus pendant plusieurs jours. là. Moi, penaud, le lundi matin, j'ai été à l'immigration et bon, ben, on m'a piqué mon passeport, je ne suis pas en ordre. Voilà, mon avis, mon autorisation de quitter le territoire. Ah, vous êtes monsieur Charpentier, excusez-moi, je vais aller voir. C'est un simple employé, il doit être brigadier ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et il m'a rendu mon passeport, ou alors que mon premier passeport n'était pas périmé, mon premier visa n'était pas périmé, j'avais un visa supplémentaire d'un an dans mon passeport. D'accord. Et donc j'ai pu terminer ma consultation calmement, me faire payer normalement, et j'avais fait un rapport où il y avait beaucoup d'améliorations, enfin de recommandations d'amélioration, mais rien de négatif, quoi. Donc voilà un peu l'anecdote. Il n'y a pas que les OQTF pour les Africains en Europe. Il y avait aussi, et c'était assez courant, des études. Oulala, j'ai du mal à cadrer là, apparemment, comme tu vois. Hein. Ouais. Il y avait aussi des OQTF pour des Européens. Voilà. Bon alors, Donc après, oui, du je t'écoute, je t'écoute. Burundi, tu es passé où? Je suis passé au Togo. J'étais déjà dans le pipeline pour aller au Togo au moment où j'étais encore au Burundi. Donc, toujours comme volontaire des Nations Unies, Ouais. en commençant par travailler pour les groupements paysans, donc toujours dans le travail dans le cadre du Bureau international du travail, j'étais toujours volontaire des Nations Unies. Et donc, comme ils avaient apprécié le boulot au Burundi, ben, j'ai pas su passer facilement au Togo. Alors, Après, une question, comment vois-tu de parce que tu as travaillé à l'intérieur des Nations Unies, comment vois-tu le travail des Nations Unies, toi qui étais à l'intérieur? bon, pour moi, pour paraphraser le général de Gaulle, c'est un machin. Et C'est-à-dire. c'est vraiment d'énormes budgets, avec toujours des projets en collaboration, et c'est normal, je ne critique pas, en collaboration avec le gouvernement en place, et c'est des gros budgets avec dépensés aussi bien pour l'expertise expatriée que pour l'expertise nationale d'ailleurs. Ça commence d'abord par un document de projet avec comme premier poste éventuellement la construction du bureau local, éventuellement et pas éventuellement, sûrement un lot de véhicules. Et puis un programme de développement où nous allons faire ceci, 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 ceci pour que telle chose ou telle chose ou telle chose aille mieux.
Et puis, l'objectif, c'est après 5 ans, on se retire et on laisse les choses aux mains du gouvernement. Et puis voilà. Donc, je suis Donc une désolé de énorme dire que machine, une une énorme énorme machine machine. qui n'amène pas grand-chose. Tu es en train de me faire faire des ennemis, mais ça pourrait effectivement être résumé comme ça, quoi. Mais je me fais pas des copains avec toi là. Hein. Et Par alors, contre, oui, je t'écoute. autre question, est-ce que tu crois que actuellement, dans le... Oui, actuellement, est-ce que les Nations Unies ont encore une place? Est-ce que je peux jouer un joker? Je ne me sens pas Certes. d'une mine. Non, mais tu m'as dit, je voudrais bien interroger un petit gars qui est actuellement au Bénin et ça m'intéresse de savoir comment tu es arrivé là. En tout cas, tout le monde peut voir les faits. Et après tout, beaucoup, moi je me renseigne beaucoup en suivant un peu toutes les revues de presse que tu fais, etc. Et je crois que chacun peut juger. Enfin, Et de toute bon, façon, on bavait les briques, quittons cette etc. question un peu délicate. Oui, c'est. Quittons cette question, on oublie. Et la francophonie? Ce en quoi moi je crois, c'est le développement d'être humain à être humain. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un, ce quelqu'un, je lui fais confiance et je crois que beaucoup de gens dans ma carrière ont fait confiance. Et j'aide cette personne à faire un pas en avant, à aller plus loin. Hein, notamment, je suis parvenu à faire entrer, parce que je pensais que c'était leur bien, l'une ou l'autre personne dans le système des volontaires des Nations Unies, par exemple. Mais on peut aussi aider un agriculteur à améliorer ses pratiques, etc. L'entraide entre deux personnes qui se connaissent et qui s'apprécient, ça c'est particulièrement efficace. Un chef d'entreprise qui démarre une entreprise qui n'existe pas encore dans un pays, qui forme des gens, quitte à remettre son entreprise ensuite dans les mains de quelqu'un de local, ça c'est efficace. C'est de personne à personne qu'on peut vraiment être efficace. Les grands systèmes, eh bien, je suis désolé, ça l'est infiniment moins, même si ça coûte infiniment plus cher. Est-ce que j'ai répondu à ta question et que c'est recevable comme réponse? Oui, enfin bon. Oui, bien sûr. Bon, alors, on va passer petit à petit au Bénin, non? Oui, bah, écoute, je peux quand même rapidement peut-être te faire mon parcours. Après le Bénin, donc j'ai fait le Togo. Ouais. C'est en passant par le Togo qui était le pays juste à côté du Bénin. Enfin, le Togo était juste à côté du Bénin. Et c'est en visitant le Bénin que j'ai vu le superbe endroit dans lequel Oui. on est actuellement. Et peut-être que Louis, qui est mon ami, t'enverra quelques photos de l'endroit ou un petit film rapide que tu pourras utiliser à ta guise. Donc j'ai trouvé l'endroit très chouette. Et j'ai acheté sur place parce qu'au Togo, il y avait des endroits aussi sympas, mais un étranger ne pouvait pas acheter la terre togolaise. D'accord. Une fois encore, on croit qu'on peut aller n'importe où comme on veut, quand on veut. Oui, c'est peut-être vrai, c'est en tout cas ce que les Européens croient, mais c'est pas si vrai que ça, quoi. Et puis, après ça, j'ai été affecté au Niger, où là, je suis resté un peu plus que 20 ans. C'était de la folie. Je suis passé d'un projet à l'autre.
Je suis d'abord parti à Zinder, qui était l'ancienne capitale. Il fallait encore une piste pour y aller. Du moins, une partie du trajet était en piste qui était à 900 km de la capitale de Niamey, donc c'était Zinder. Et là, j'ai suivi des banques céréalières en tant qu'expert-BIT, et puis on m'a proposé de devenir expert dans une organisation néerlandaise où j'ai fait un projet de développement rural intégré qui s'appelait PADATA, Programme de développement de Damagaram-Tagaya. C'est encore une brousse 100 km plus loin où mes animateurs et moi aussi d'ailleurs, on parcourait les villages à cheval parce que c'était le seul moyen de transport qui était vraiment efficace. Bon, et j'ai fait d'autres projets. Après, nos enfants devenant grands, on avait l'occasion de rester dans la même organisation, mais d'aller vers Niamey où il y avait l'école française, ce qui commençait à devenir vraiment important pour nous. Et puis, j'ai travaillé pour une ONG française qui s'appelle Aide et Action. Et je salue au passage tous les gens qui cotisent pour cette ONG qui s'occupe d'enfants de brousse, donc d'appuyer la scolarité d'enfants en brousse. Donc j'ai travaillé 2 ans pour cette organisation et vraiment je salue tous les gens qui donnent de leur temps ou de leur argent à ce type d'association qui me semble déjà beaucoup plus humaine et beaucoup plus sympathique que les grands machins, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, comme j'avais lancé dans cette organisation où l'initiative était beaucoup plus simple, j'avais lancé un système qui s'appelait les compagnons éducateurs, c'est-à-dire on récupérait des jeunes ayant terminé leur école primaire, mais se faisant faire recaler pour la rentrée au lycée. Eh bien, ils revenaient la queue entre les jambes au village. Ils étaient très malheureux parce ils n'avaient pas appris à cultiver ou à s'occuper d'un troupeau. Donc, ils étaient plus malheureux qu'autre chose. Donc, j'essayais de récupérer au moins une partie de ces jeunes pour en faire des éducateurs parascolaires qui allaient s'occuper des enfants du primaire. Alors, Donc, il y a eu cette action-là. Oui. quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes agricoles chez vous actuellement? Tu me parles du Bénin ou tu me parles de Niger? Ça n'a rien à voir, hein? Ah non, non, je te parle du Bénin, oui. Ah ben, le Bénin, c'est un pays vraiment plutôt un pays agricole en réalité. Il est entouré du Nigeria qui est fort de son pétrole. Au plein nord, nous avons le Niger qui était fort de son uranium et qui maintenant est fort de son pétrole. Un peu vers l'ouest, on tombe sur le Burkina que j'ai Oui. adoré. J'adorais le Burkina quand j'y étais, qui maintenant est très convoité pour son or, ses mines d'or. À côté, ici, on est à côté du Togo qui a quand même bénéficié des phosphates parce que le président Yadema a nationalisé les phosphates et c'est une sorte de revenu important. Le Bénin, à part un peu de coton, n'a pas vraiment, pour le moment, et je suis sûr que ça va venir, grand-chose comme dans son sous-sol. Et donc, c'est plutôt de l'agriculture et même plutôt de l'agriculture familiale. Et comment dirais-je, c'est le président actuel qui fait de gros efforts, Dieu merci, pour développer le tourisme. Et pour moi, c'est vraiment un pays où on peut vraiment comprendre les réalités africaines. Je défends vraiment le Bénin pour ça. Il y a 10 ans d'ici, j'aurais conseillé plutôt aux gens, et j'ai accueilli beaucoup d'Européens à l'époque où j'étais au Burkina Faso, qui était un pays formidable que j'adorais. Il y avait encore la mentalité Sankara, la patrie des hommes intègres, etc. Moi, j'étais dans la superbe ville de Bobo-Dioulasso. La végétation était extraordinaire. Enfin, c'était un pays de rêve, mais j'ai dû quitter à partir du moment où
Le djihadisme devenait trop prégnant, sinon peut-être que j'y serais encore, j'en sais rien, quoi. Quels sont actuellement les débouchés, quels sont les débouchés à venir du pays? Écoute, les débouchés, la richesse du pays pour moi, c'est d'abord et avant tout sa population. Il faut savoir que tu es au Bénin ici et que Cotonou, on l'appelait le quartier latin de l'Afrique francophone. En tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un potentiel jeune et jeune diplômé extraordinaire. Et surtout des gars qui, des gars et des garces, si j'ose me permettre, non, excuse-moi, tu vas couper ça au montage, des personnes en tout cas qui ont du cœur à l'ouvrage. Quand tu vas dans les champs et que tu vas voir ce que c'est que de faire un champ d'igname, et les tonnes de terre remuées pour faire des buttes d'igname, qui ne doutent pas du courage de ce type de population. Donc, que ce soit des personnes formées ou non formées, il y a un potentiel extraordinaire au niveau humain et des gens, une génération jeune. Il y a d'excellents médecins, par exemple, ici au Bénin. Et je préfère de loin être consulté au Bénin parce que c'est encore des médecins qui vous écoutent et qui ont le sens de leur serment d'Hippocrate. On n'est pas des machines et on n'est pas mis dans les machines parce que ça, en fait, les machines, ils n'en ont pas de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de. Au moment du Covid, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait se faire tester de toute façon. Donc, de toute façon, on vous soignait pour le palu et ça marchait très bien sans savoir si on avait eu le Covid ou pas. Donc, voilà. Et on rencontrait d'excellents médecins. Donc, pour moi, la belle idée, tu vois, si tu pouvais faire passer ça vraiment, ça me plairait énormément. La belle idée serait de dire, voilà, il y a des jeunes ici, pas des jeunes voyous. Quand je pense à mon ami Louis ici qui est à côté de moi, c'est un gars qui a entre 30 et 35 ans. Son épouse est décédée, donc il est chef de famille seul avec un petit gars de. Il a quel âge ton petit gars? 12 ans? Il a 13 ans, un petit gars formidable et une jeune fille qui malheureusement est sourde et muette et il a en tout cas pas de quoi payer l'enseignement spécial qui correspond à l'état de sa fille. Donc, si un gars comme Louis pouvait aller tâter un peu l'Europe, mais pas partir avec un contrat déterminé, surtout pas monter sur un bateau de manière frauduleuse, etc., faire cette aventure stupide et imbécile, c'est un type qui est courageux, qui est mature, qui, comme tu le vois, sans lui, on n'aurait pas pu régler le problème de notre entretien. C'est un gars mature. S'il pouvait partir avec un contrat de 3 mois et un visa de 3 mois exclusif pour, par exemple, aller faire des vendanges ou ouvrier agricole ou même faire la plonge dans un resto ou n'importe quoi, un visa de 3 mois et qu'il reviendrait avec, par exemple, 2 000, 3 000 € dans la poche, lui, il a plein de projets. D'abord, il pourrait vivre pendant 1 an. Attends, tu Le nous fais des pouce, signes pour quoi là? ton pouce. Ah, mon pouce, excuse-moi. Ah, alors il pourrait revenir dans un an. Non, il reviendrait après 3 mois, 3 mois maximum, mais avec de quoi investir. Son rêve, par exemple, c'est de lancer une petite pisciculture sur place, plutôt que de manger des poissons congelés qui nous viennent, des tilapias congelés qui nous viennent de Chine. Qu'on mange du tilapia qui est ici, et à mon avis, il se débrouillerait. Et sans aucun doute, en son absence, sa famille s'occuperait pendant les 3 mois où il serait absent, s'occuperait du business, quoi. Moi, Mais. ce que je comprendrais beaucoup plus, bon, c'est mon avis, hein, mais ce que je comprendrais beaucoup plus, c'est qu'on puisse travailler dans le pays. Tu vois, je comprends très bien ce que tu es en train de me dire. Mais tu sais bien que c'est souvent, actuellement, c'est très difficile. C'est très difficile. Je continue à défendre quand même un peu mon idée, Philippe.
Tu es français ou tu es belge d'ailleurs? Tu es tellement sympa que je t'ai pris pour un belge. Eh non, je suis français, je suis désolé. Nobody is perfect. Bon, donc ton gouvernement a décrété, oui, on pourrait imaginer une émigration choisie vers les métiers en tension. Et c'est quand même vrai qu'au moment où il faut aller récolter le raisin, Des métiers en tension, oui. tu as besoin d'une main-d'œuvre pendant peu de temps, etc. Et même chose, Non, il mais à y a ce des moment-là, villages qui. c'est plutôt les Oui, tu dis. Espagnols, etc., qui ont besoin de ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas que la France, mais en tout cas, il y a la France aussi. Et donner l'occasion, si tu veux, c'est l'idée que j'ai, ça serait double bénéfice quelque part. D'un côté, on résout les problèmes soit d'un hôtelier, soit d'un agriculteur, soit à la limite un BTP qui doit toujours travailler pendant qu'il fait bon et que les journées sont longues, hein, qui a une main-d'œuvre qui n'est pas à exploiter. Au contraire, quand on travaillait dans le temps dans une ferme pour aller chercher le raisin, on avait à manger, on était logé, etc. Et c'était quasiment la fête de soi. Ça, apparemment, c'était sympa dans le temps. Je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais apparemment, c'était sympa. Et la personne revient avec un 2 000, un 3 000 euros après 3 mois. Et si les Français bobos disent qu'ils polluent en prenant l'avion, ben ils pourraient très bien prendre les bateaux cargo et faire le trajet en 15 jours aller et 15 jours retour, quoi. Donc c'est totalement imaginable. Mais je comprends que tous les pays ont tendance à se refermer parce qu'il y a des émeutes, parce qu'on en a besoin avant tout de sécurité, parce que Wow. C'est un choc de C'est pas, culture c'est, parce oui, que mille et une raisons. c'est souvent en effet un choc de culture. Écoute, autre petite anecdote togolaise. Je crois que ton public va apprécier le côté anecdotique des choses. Je t'ai dit que comme volontaire des Nations Unies, j'ai aussi collaboré avec la FAO. Et un des super projets de la FAO, c'est de demander à des paysans de se regrouper dans un groupement. Et au groupement, on donnait une paire de bœufs et tout le matériel, une charrette, plus évidemment la charrue pour pouvoir étendre les champs et cultiver plus et gagner plus. Et effectivement, tant qu'on était là, ils cultivaient plus, ils gagnaient plus, c'était vraiment extraordinaire. Les femmes avaient enfin un pagne à Noël, les enfants avaient de quoi payer, on avait de quoi payer le collage pour les enfants et l'ardoise, etc., etc. C'était extraordinaire. Je suis revenu un an après que ce projet soit fermé, j'ai retrouvé la charrue parce qu'elle était incomestible, mais ils avaient bouffé les bœufs. Puisque c'était les bœufs qui avaient été payés par le gouvernement, de toute façon, la FAO et la FAO n'appartenaient à personne, et qu'il y avait une fête au village pour fêter la mort d'un gars qui avait plus que 100 ans, il n'était pas question de fêter sans que tout le monde ait de la viande à rassasier, quoi. Donc, on a bouffé les bœufs du projet, et c'est retombé à C'est zéro. incroyable, ça. Donc, si tu avais un gars qui partirait en Europe, aurait la vie dure qui est la vie d'un saisonnier, et revient avec 2 000, 3 000 euros dans sa poche, je peux te dire que le fric sera utilisé valablement et que l'entreprise qu'il fera, sera suivie correctement. On n'en fera pas du n'importe quoi. Parce Si elle qu'on est pouvait d'accord, partir on est pendant. d'accord qu'il y a eu des millions et des millions de dollars donnés à l'Afrique et qui ont disparu. Oui, je plaide même partiellement coupable, même si j'ai fait tout ce que je pouvais J'en suis pour que sûr. le fric soit le plus rentable possible. Par exemple, j'ai eu premier projet de 3 ans, je suis parvenu à le tenir pendant 4 ans pour l'Union européenne et un deuxième projet qui était prévu pendant 4 ans que j'ai tenu pendant 5 ans. En essayant de mettre des idées nouvelles, comme cette idée de jeunes déscolarisés qui deviennent tuteurs des plus petits qui font des activités parascolaires, etc., quoi. Donc, j'ai fait au mieux, mais de toute façon, c'est le développement, c'est une histoire entre personnes, c'est pas une histoire entre grandes entités. Alors, il y a une montée en Afrique francophone du djihadisme.
Oui, je ne Que peux ça pas te dire le t'intéresse. contraire. C'est pour Ouais. ça que j'ai été obligé de quitter le Niger et puis j'ai Ouais. été obligé de quitter le Burkina après. Pourquoi? Pourquoi d'un seul coup? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute, tu connais ça mieux que moi. Philippe, Ben, dis-moi un moi, je petit me pose la peu. question. Ben oui, mais écoute, j'ai peut-être été éduqué par les jésuites, je peux répondre à une question par une autre question, non? Ou Alors, c'est pas permis? est-ce que c'est... Aussi, tout à fait. Mais est-ce que ça a trait avec le réchauffement climatique? Non, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Ah bon? Maintenant, la question que moi j'ai envie de te poser, Philippe, si tu veux Oui. bien. Pourquoi on n'entend pas parler de problèmes djihadistes en Algérie? Excuse-moi, mais enfin, alors là. je ne suis plus du tout, là. Parce que les problèmes djihadistes en Algérie, ils sont là. Ils sont vraiment très près. Et je pense en tout cas Et le GIA, tu as entendu que parler? on n'entend pas beaucoup parler et je pense Le que GIA, tu n'as jamais entendu parler du GIA? oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux T'as jamais te entendu dire, c'est parler, t'as jamais entendu parler de la terreur en Algérie? non, mais je pense en tout cas qu'à partir du moment où tu réalises. Bon, pour moi, l'explication, la première explication, c'est que des pays comme le Burkina, tu as l'or et que c'est très intéressant. Dans d'autres pays, tu as d'autres ressources, etc. Des pays où il y a des ressources à convoiter, Oui, mais moi, quand je te le posais, djihadiste de base n'est pas excuse-moi le Vincent, mais dirigeant djihadiste. quand je te posais une question sur le réchauffement climatique, c'est qu'il me semblait, moi, que, eh bien, mon Dieu, l'islam remontait parce que les gens qui avaient besoin de faire paître leur troupeau étaient obligés de remonter dans les terres plus accueillante. Ah, là, par contre, je peux te dire non. Là, au moins, tu rentres dans mon boulot, là, mon ex-boulot. Oui. Normalement, quand les pâturages, d'abord, grosso modo, il te faut grosso modo 600 mm de pluie par an pour espérer avoir une agriculture qui fonctionne un petit peu. En dessous de 600 mm par an, tu peux encore espérer faire de l'élevage parce que les herbes, ça pousse. Mais faire de l'agriculture de type plantation de sorgho, etc., tu peux oublier. D'accord? Et quand les troupeaux ne savent plus paître dans les pays sahéliens, ils vont pas traverser le Sahara pour aller rechercher des fourrages de l'autre côté du Sahara, parce qu'ils vont y crever. Ils vont redescendre vers le nord. Eh bien oui. Et tu vas retrouver ces troupeaux dans le nord Togo, tu vas les retrouver dans le nord Bénin, etc. Ben, le Nord Bénin, c'est désertique. Mais non, pas. En tout cas, il y a beaucoup plus de pâturage. Non, et tu veux dire au sud? Oui, non. Ils vont redescendre vers le sud, ils vont Oui, d'abord voilà, être oui, pas vers le le nord nord. Bénin, quoi. Oui. Ils vont rentrer par la frontière nord du Bénin. Et là, ils peuvent trouver des pâturages. Oui. Donc, Donc, il y a mais peut-être je une pense. association à faire. Peut-être il y a un rapport, mais pour moi surtout, c'est que tu ne peux pas réagir vis-à-vis de gens qui tuent, qui ont des comportements barbares en étant civilisés. Bon, en Dis-moi, tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour maman, des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, il fait pas bon s'y aventurer. Et de toute façon, vous avez au ministère des Affaires étrangères français, puisque tu es français, une carte de l'Afrique avec les zones rouges, les zones oranges et les zones vertes. Je peux te dire qu'il y a des zones rouges vives et pas mal de zones oranges, quoi. Donc, Oui, voilà. il y a plus beaucoup de zones vertes, il n'y en a plus d'ailleurs.
Mais tu retournes de temps à autre en Europe ou pas? Vraiment le moins possible. Maintenant, j'ai plus de raison vraiment d'y retourner. Et je vois vraiment pas l'intérêt. Je vais y retourner parce que normalement, ça fait plus de 7 mois qu'officiellement je suis à la retraite puisque j'ai 65 ans. Et figure-toi que l'Union européenne a trouvé le moyen de dire, en tout cas pour les Belges, que comme je ne suis plus résident officiel en Belgique, mais bien résident au Bénin, je n'ai plus droit à un compte en Terminé. banque Ah en Belgique. oui, d'accord. Donc tu es Et obligé d'y ma caisse de retourner. retraite ne veut pas me payer l'argent parce que je ne peux pas le virer sur mon propre compte en Belgique. Donc je suis en négociation là-dessus. Si je veux le faire virer directement au Bénin, c'est la croix et la bannière parce qu'il faut remplir des formulaires que les banques ne veulent pas spécialement approuver parce que normalement, ils devraient pouvoir certifier que je suis toujours vivant. Ce n'est pas leur boulot, c'est le boulot d'un consulat pour certifier que je suis toujours vivant, etc. Enfin bon, bref, c'est kafkaïen, c'est un truc de dingue, quoi. Donc franchement, l'Europe pour moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ici, tant au niveau climat social qu'au niveau climat, En général. climatologique, quoi. Voilà, bon. Oui. Eh bien, écoute, Vincent, je te remercie de cette conversation. Je vais pas te poser de questions sur le climat mondial. Ben, écoute, je suis un ancien pauvre petit coopérant. Voilà, Oui. c'est pas vraiment mon boulot, mais par contre, personnellement, les BRICS, ça me fait vraiment sourire, quoi. Ça me fait plaisir, C'est pas mal, hein. je trouve ça, moi, ça me plaît, quoi. Et alors, C'est enfin, on tu as respecte vu des les autres. investissements ou pas? Tu dis? Est-ce que tu as vu des investissements dans le pays des BRICS? Provenant des BRICS, non, Et de mais la Chine? je faut te dire aussi que je suis un villageois. Pour le moment, le gouvernement béninois dépense énormément d'argent et ils ont bien raison sur Ouidah, qui est la ville historique d'embarquement des esclaves vers les colonies. Et ils sont en train de faire des aménagements pour le tourisme. Et ils ont bien, bien, bien raison. Félicitations. Ils font aussi des investissements dans l'infrastructure. Qui paye exactement, ça ne me regarde pas. C'est une chose que j'ai appris, et tu vois qu'au Burundi, je l'ai appris très tôt, que quand on est rangé dans un pays, quand tu es à Rome, tu te comportes comme un Romain, et surtout, tu fermes ta gueule par rapport aux politiques locales. C'est pas mon problème. Et tu D'accord. ne m'entendras jamais donner mon opinion politique sur quelque gouvernement que ce soit africain par rapport Mais en au général, gouvernement européen, je te laisse penser, je te laisse deviner ce que je pense de l'Union européenne et du gouvernement belge. moi, je crois que l'Union européenne marche sur la tête. Ben écoute, ces paysans, je trouve qu'ils ont de l'humour, bravo, c'est retourner les panneaux sur le tracteur, génial les gars, vous êtes formidables. Les paysans, je vous aime. Ça y est, je suis agronome, je vous aime les paysans. Garde ça dans ton montage, je vous aime. Allez-y. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Philippe, Je vraiment. t'envoie un lien avec la vidéo. Tu me dis si c'est bon. Si c'est bon, on publiera. Ok, écoute, c'est parfait comme ça. Et moi, je te remercie aussi pour tes publications, vraiment, en peu de temps, j'ai un condensé qui me permet de me faire une idée qui me paraît neutre. Je trouve que tu parviens, même si j'ai bien l'idée de la manière dont tu réfléchis et tu penses, je trouve que tu restes très pro et très neutre et je te remercie énormément pour ça. Merci Vincent, à très bientôt, je t'envoie le truc. D'accord? À Au bientôt, mon revoir. ami. Salut.